Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Partagez le direct, je vous en prie. Bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. De l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un direct dont le but est de déchirer le voile de l'ignorance. Je vous en prie aujourd'hui là. Je serai tellement exigeant. Voilà, je cherchais mon mouchoir. Je serai trop exigeant. Je veux au moins ces 500 partages. Parce que c'est le plus beau direct de ma vie aujourd'hui là. Celui qui partage recevra. Voilà, moi, je suis en train de partager. Je partage. 4 groupes déjà. Partageons le direct. Voilà. 500 partages, je vous en prie. Il faut que le direct aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et que la lune sache aujourd'hui qu'on a le direct. Le direct le plus attendu. Ok. Voilà. Partageons le direct. Voilà. Partagez avec des amis. Voilà, je cherche des amis. Et il faut ignorer. Parce que c'est un direct, vraiment. Il sera comme ça. Moi-même, je sais que le direct d'aujourd'hui sera bon. Très bon. Parce que aujourd'hui, on va livrer les mystères. On va parler et on va parler. Voilà. Voilà. Maintenant, moi-même, je commence à envoyer. Voilà, c'est pas compliqué. Partagez le direct. Partagez le direct. 500 partages. Voilà. Amis miens d'ici, d'ailleurs, je suis en train de partager. Hein. Vraiment. Je partage. Voilà. C'est toujours un réel plaisir de vous voir connecté. Vous m'excusez, normalement le direct, c'était prévu à 20h15. Mais est-ce que mon portable en grue, c'est pas pourquoi il était planté. Le temps d'allumer, tout ça là. Bon, comme ça, je ne crise pas trop. Voilà, aujourd'hui, amis miens d'ici et d'ailleurs, nous allons faire un très bon direct. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Et pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, c'est un jour assez favorable. C'est un jour pas comme tous les jours. C'est un jour spécial. Spécial tout simplement parce que aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, c'est aujourd'hui que nous, là, hein, nous avons vu notre lune. Donc, aujourd'hui, l'eau magnétisée, ça finit aujourd'hui. On fait le rituel. Maintenant, après ça, après 3 heures, hein, 3 heures, 4 heures, vous faites votre rituel. Maintenant, vous pouvez passer aux usages, aux différents usages. Asperger la maison, boire, purger les enfants avec. Vous-même, vous vous pugez avec.
Voilà, c'est très important. C'est très important de le dire. Maintenant, aujourd'hui aussi, c'est un jour spécial parce que nous avons, c'est ce jour que notre talisman, c'est-à-dire que le petit tissu qu'on confectionne, le petit, comment je peux appeler, le petit sac qu'on confectionne et à l'intérieur on met les clous de girofle et le sel gemme. Au Cameroun, on appelle ça le kanwa. Donc, c'est aujourd'hui là que nous allons jeter dans l'eau, dans un coup d'eau. Voilà, sans ouvrir l'intérieur, tu n'as plus le droit parce que ça a aspiré les énergies négatives. Voilà, ça vous a incroyablement aidé. Mais comme c'est des choses spirituelles, vous ne pouvez pas voir. Donc, vous jetez et c'est aujourd'hui qu'il faut faire le nouveau. Voilà, pendant 14 jours, la divine nature vous donne gratuitement. Vous portez ça sur vous. J'en fais souvent 3, 4 et je partage. Je partage. Bon, il y a des gens à qui il ne faut pas donner. Hein. Tu vas donner. Après, il va dire, non, Manu de la vie m'a donné quelque chose qui n'est pas bien. Bon, d'ignorance. Donc, aujourd'hui, après le direct, arrangez-vous à confectionner vos petits sacs. Vous mettez le sel GM, vous mettez les clous de jour, la quantité que vous voulez. Voilà. Et après, vous faites coudre ce petit sac-là. Vous le portez chez vous. Vous donnez à vos enfants, à vos maris, à vos épouses et à vos connaissances. Voilà. Et on attend donc la nouvelle pleine lune pour pouvoir encore confectionner l'autre. Aujourd'hui, je dis c'est un direct spécial parce que nous allons parler des mystères. Voilà. J'ai publié pour demander aux uns aux autres d'avoir une bouteille en verre. Vous voyez cette bouteille. Vous n'avez pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes dans nos villages. Dans nos villages, vous allez constater qu'il y a des maisons à l'entrée de cette maison. Non, je n'ai pas de cœur, ni 500 partages. Non. Je continue par le direct. Partagez, je vous en prie. Le doigt, si là, vous devez le délivrer. Délivrez ce doigt-là. Partagez le direct. Ouais, partagez. Je vous en prie. Je suis vraiment exigeant. Parce que. Voilà. Partageons le direct. Moi, monsieur, en train de partager. Il nous faut 500 partages. Je ne suis même pas exigeant. Ailleurs, mais on vous demande les 1000 partages. Ah. Voilà, on partage le direct. Il y a quoi même? Hein? Voilà, 500 partages. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour me dire le nombre de partages. Bon, comme je disais tantôt, voilà. Dans nos villages, dans nos campements, vous allez trouver à l'entrée. Sur le seuil de certaines, à l'entrée de certaines maisons, sur le seuil, vous allez trouver qu'il y a souvent des bouteilles. Hein, à l'entrée des bouteilles hein, qui sont implantées dans le sol. Et voilà. Vous vous demandez, mais pourquoi la bouteille là? Non, cette bouteille là joue un rôle. À l'intérieur, on a mis des ingrédients. On a mis des choses. C'est simple. Et si tu es une mauvaise personne, tu ne peux pas ancrer. Parce que cette bouteille là, ça filtre les ancrés. Voilà, au village. Nous parlons de la spiritualité, nous ne parlons pas de religion. Voilà, ceux qui m'attendent sur des sujets religieux, non. Je peux souvent citer quelques versets bibliques, quelques versets, n'est-ce pas, du Coran, mais je suis pas religieux. Je parle de la haute spiritualité. Voilà. Donc, voilà une bouteille. Vous prenez cette bouteille. À l'intérieur de cette bouteille, vous prenez 3 cuillères de sel ordinaire. Vous n'avez pas besoin de consacrer ce sel. Vous mettez à l'intérieur 3 pincées, 3 cuillères, autant pour moi, 3 cuillères. Vous mettez à l'intérieur. Vous prenez 3 gousses d'ail. Je vais vous montrer un peu parce que les gens confondent souvent gousses d'ail et tête. Voilà, voici ce qu'on appelle gousse d'ail. C'est un là, un. Voici ça, gousse d'ail là, c'est un. Maintenant, tête là, la tête que vous voyez là, on appelle ça bulbe. Ou alors la tête d'ail. Donc, vous prenez 3 gousses d'ail. C'est 3, voilà 3. 1, 2, 3 gousses d'ail. Voilà. Disons, voilà 3. Voilà. Vous mettez dedans. Donc, ça fait déjà le sel, 3 gousses d'ail. Vous mettez à l'intérieur. Après ça, vous prenez 3 feuilles de laurier. Les lauriers, 3 feuilles. Laurier, tout le monde sait
ce qu'on appelle l'ourier. Vous mettez dans l'ourier, vous mettez dans la bouteille. Ça fait déjà trois éléments, trois ingrédients. Après ça, vous prenez trois pincées de basilic. Pour ceux qui n'ont jamais vu basilic, voici ça. Tout ça là, nous avons, et c'est même des basilic, tout ça là, j'ai consacré. Voilà, basilic, voici ça. Vous prenez trois basilic, hein, trois feuilles, trois pincées. C'est-à-dire trois fois vous mettez. Maintenant, par la suite, vous prenez trois pincées de fenouil. Beaucoup n'ont jamais vu. Je vais vous montrer ça ici. Oui, ça même. Voilà. Voici ça. Voilà, c'est vert. Vous voyez, c'est ça, là. Ah. Tout ça, là, nous l'avons. Voilà. C'est ça. Vous prenez trois pincées. Vous mettez dans la bouteille. Après, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Après avoir mis ça, vous prenez... Il faut que ça soit sec. Hein? Il faut que ça, là, ça soit sec. Vous prenez trois pincées de sauge. La sauge. La sauge, je crois, je l'ai. Voilà, c'est ça. Tous ces ingrédients, dès le 7 juin, voilà. Tous ceux qui sont en Europe, nous allons créer une représentation à Paris. Parce que c'est la capitale. Voilà, c'est ça. C'est ça. La sauge. Vous mettez trois dans la même bouteille. Après ça, vous prenez trois pincées, n'est-ce pas, d'anis. L'anis aussi, ça donne le mariage. Pour les célibataires, là. Un jour, je parlerai de l'anis. Voici l'anis. Vous prenez trois pincées, toujours dans cette même bouteille. Maintenant, après ça, vous prenez le poivre noir ou le poivre blanc. Voici ça. Ça, c'est le blanc, le poivre blanc. C'est le meilleur. Le meilleur poivre, c'est au Cameroun. Ça, tout le monde le sait. Le noir, il y a le noir aussi. Donc, vous prenez tout ça, ça vous fait quoi? Hein? Noir ou blanc. Maintenant, le détail qui est important, c'est que chaque fois, c'est-à-dire comme j'ai commencé par le sel ordinaire, chaque fois que je mets le sel, un ingrédient, je dois dire ceci, tu cites le nom de l'ingrédient. Par exemple, le sel, tu dis sel qui protège. Garde ma maison et tout ce qui s'y couvre. Voilà. Donc, avant de mettre les trois pincées de sel, tu dis d'abord sel ordinaire, sel qui protège. Garde ma maison et tout ce qui s'y couvre. Voilà. Tu as fini, tu mets les trois pincées de sel, les trois cuillères de sel. Donc, quand tu arrives sur l'ail, tu dis l'ail, toi qui protège. Garde ma maison et tout ce qui s'y couvre. Donc, on garde ta maison et tous ceux qui sont dans ta maison. Tu dis ça et tu mets les trois gousses d'ail. Et tu le suis jusqu'au dernier. Donc, quand tu as fini, tu arrives sur le poivre noir, le poivre blanc. Il n'y a plus de souci à ce niveau. Maintenant, tu as fini ton. Il n'y a pas de prière à faire sur ça, non. Maintenant, la dernière chose. Chose que tu dois dire, c'est que tu sais pas le pouvoir de ces substances ou alors le pouvoir de ces ingrédients. Je conjure les énergies protectrices, hein, de tout ce qui est bon afin de garder ma maison en sécurité et soit fait. Tu as fini, tu fais prendre la bouteille, tu vas casser ça soigneusement. Tu peux venir dans le salon, tu peux mettre ça dans ta chambre, tu casses. Ça, pour qu'on ne touche pas, pour qu'on ne... dérange pas cette bouteille. Ta maison... On dirait que ça. Est-ce que vous m'écoutez? Envoyez-moi le cœur. Pauline Ngo Yebda, Julien Dunga. Envoyez-moi le cœur. Signalez, dites que vous êtes là. Je veux vous sentir. Sylvie Noël, voilà. Vous pouvez faire autant de fois. Vous avez vos enfants, tout et tout. Mettez ça dans le champ. Mais vous cachez. Bah, les enfants sont ce qu'ils veulent. Ils vont voir ça. Croire que c'est un jus. Commencez à boire. Ami Mia, d'ailleurs. Voilà la protection que je vous ai. Voilà. Voilà, protection. Bon, ce n'est pas tout. Je dirais là, me fait peur. Nathalie
Mango, Lydie Sangono, la mère des mères. Voilà. Donc, je pense que ça a été assez clair. N'allez plus vous fatiguer. Protégez, barricadez vos demeures. Protégez vos enfants. Vous mettez ça, si vous avez quatre pièces, quatre chambres et tout, mettez partout. Mettez partout. Vous êtes tranquille. Voilà. Ça là. Ouh, mon Dieu. Il n'y a plus de commentaires avec dessus. Bon, ça, c'est le même des choses. Aujourd'hui, ami mien d'ici, c'est un très grand jour pour nous. Très grand jour tout simplement parce que c'est la pleine lune. Bon, vous le savez tous. Après ça, vous avez positionné votre eau. Donc après le direct, 3h04, vous irez prendre votre eau, faire le rituel qu'il faut. Voilà, il y a un autre rituel que je voudrais vous donner parce que vraiment... ce jour est un jour spécial. Vous allez voir le ciel, la lune est baissée comme ça, bouh! Parce que c'est le moment, la phase, c'est le seul moment, c'est-à-dire dans la phase lunaire, où le soleil, vous comprenez, le soleil, excusez-moi, où la surface de la lune est éclairée par le soleil. Maintenant, l'inverse, c'est la nouvelle lune. Donc, vous allez voir, c'est comme un ballon plein comme ça, là, joli! Allez faire toutes sortes de rituels. Parlez à la lune. Dites à la lune, vous êtes fatigué. Tu es fatigué du célibat. Tu es fatigué de vivre ce que tu vis là. La lune va gérer ça pour toi. Il n'y a pas de problème. Bon, ça c'était le premier détail. Il faut que je regarde un peu mon cahier de bord. Qu'est-ce que je dois parler encore? Voilà. J'ai donné cette recette. Comment protéger notre comment comme l'eau lunaire magnétisée contre la sorcellerie. Donc, vous avez votre eau lunaire magnétisée. Il suffit de prendre votre doigt, le doigt majeur ici, là, hein, de votre main dominante. Si vous êtes droitier, vous utilisez la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Mais de le faire avec la main droite. Donc, sur cette eau, vous écrivez le chiffre 9 et vous buvez. C'est tout. N'attendez plus autre chose. C'est propre. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'ail, des ingrédients. Vous savez que l'ail a des vertus spirituelles incroyables. Voilà. Souvent, même quand vous voulez sortir, vous allez dans un village, vous allez dans des réunions où vous devrez rencontrer des personnes douteuses. Ne vous fatiguez pas. Prenez l'ail. Voilà. Vous prenez l'ail comme ça. Vous écrasez. Hein? Et vous faites quoi? Vous frottez les paumes de main avec. Si elle vous salue un sorcier qui résiste, non, 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 il ne peut pas. Parce que quand vous voyez l'ail là, il y a le feu dedans. Le feu, il y a le feu dans l'ail. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, comment protéger notre sommeil contre les cauchemars, attaques nocturnes, et des maris et femmes de nuit, les agressions mystiques? Voilà, ça, je vais parler de ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup de personnes sont envoûtées. Mais dans l'ignorance, ces personnes ne savent pas qu'elles sont envoûtées. Ce soir, pour l'amour que j'ai pour vous, au nom de la vérité, au nom de l'amour, je vais vous donner un rituel très simple que vous pouvez faire pour savoir si oui ou non vous êtes envoûté, votre mari est envoûté, ou alors si... Vous êtes magique, n'est-ce pas, dans le plan spirituel, je dis, tout est vrai. Voilà. Ça peut être sur votre enfant, tout le temps, on va à l'hôpital, et l'enfant est malade, on fait ceci, il n'y a rien qu'on voit. Non, ne te fatigue plus. Manu de la Vera, achetez un seau, vous prenez un seau neuf, avec votre eau magnétisée, aujourd'hui là. Bon, magnétisé. Ou ceux même qui ont petit là, tu prends même petit comme ça là. Si tu prends l'eau de robinet, tu verses là. L'eau magnétisée influence, absorbe l'eau du robinet qui vient parce que c'est puissant, c'est chargé. Vous comprenez? Donc n'ayez pas peur. Même si tu as une goutte, tu mets une goutte et tu mets l'eau, tu ajoutes, c'est-à-dire tu mets un demi-litre de ça et tu mets 10 litres après, c'est toujours l'eau magnétisée qui est là. Pourvu que tu as eu à respecter le processus de magnétisation, c'est-à-dire depuis la nouvelle lune jusqu'à aujourd'hui, après 3 heures de l'eau que ta bouteille va passer et tu fais le rituel, n'est-ce pas, de consécration. Donc, tu peux utiliser ton eau.
Alors, tu prends donc cette eau. Tu peux mettre un peu. Si tu en as assez, tu mets un litre. Tu mets ça plein dans le seau. Donc, ne prenez pas un seau qui a 20 litres. Non, vous pouvez prendre un petit cube, un petit récipient. Voilà, 30 patates déjà. Bon, je vais faire comment? Il ne peut pas être exigeant. C'est 1500 patates, on ne va pas finir. On va rester jusqu'à lundi. Mais quand il s'agit de directs où on clash là, vous êtes fort. Aïe, aïe, aïe. Même si quelqu'un dort là, vous appelez.